Traditionnellement, l'artichaut s'est toujours produit dans ce département, qui est totalement acclimaté à notre région, donc sur les bords de Méditerranée. Vous pouvez remarquer cet amphithéâtre qui nous entoure, qui nous protège des intempéries. Alors nous avons 5 variétés qui sont inscrites au cahier des charges de notre IGP. Donc là, nous sommes sur une parcelle de pop vert. Il y a le calicot, qui est aussi un artichaut magnifique, très très fermé, vraiment exceptionnel, qui est plutôt connu. Ensuite, il y a le mako aussi, c'est un artichaut qu'on essaie de remettre un peu à la mode, qui a des qualités gustatives exceptionnelles, qui avait presque disparu de nos campagnes pour des problématiques d'aspect. Et en fait, aujourd'hui, cette IGP nous permet de revaloriser ces anciennes variétés. Ensuite, nous avons le salambo, qui est un globule rouge aussi, et puis le petit violet, qui est un artichaut qu'on cueille en bouquet. C'est une méthode traditionnelle. On va prélever un œilleton qui va pousser après les récoltes du pied mère. Et ensuite, nous allons le multiplier et le replanter sur les parcelles. Et pour passer ensuite 9 mois de travail et d'attente, tout l'été, on va pouvoir passer, biner les artichauts, les entretenir. Et puis ensuite, pour attendre les périodes de récolte qui sont de mars à fin mai. Une variété d'artichaut ancienne qui est très résistante contrairement à d'autres variétés. Du coup, moins de traitement sur les parcelles. Chaque année, nous faisons le plan dessus. On refait chaque année toutes les parcelles qu'on a. C'est-à-dire les 14 hectares qu'on a, on refait les œilletons et on replante cette variété-là. Parce qu'on sait qu'elle est très résistante au froid. Quand nous ramassons les artichauts à l'extérieur, de la récolte jusqu'au conditionnement, les artichauts ne touchent pas le sol. Sur Ville-Longue de la Salanque, donc c'est un terroir historiquement consacré à l'artichaut. Je crois que ça fait 200 ans qu'on fait de l'artichaut sur la commune. Moi, je produis essentiellement du pop vert, la variété pop vert et la variété calicot. C'est donc un terroir qui est particulièrement propice à la culture de l'artichaut. Au printemps, on a quand même un temps ensoleillé qui permet d'avoir un produit très précoce. Une terre limoneuse, adaptée également à la culture de l'artichaut. Beaucoup d'humidité le matin, beaucoup de rosée qui permet d'entretenir en fait une fraîcheur au niveau du capitule. Alors une fois récolté, j'ai le dépôt de la coopérative Terraneo à 600 mètres de l'exploitation. Donc qui permet d'avoir une fraîcheur optimale. Pourquoi nous sommes allés rechercher ce signe de qualité? Donc un IGP, c'est vraiment la chance de pouvoir apporter aux consommateurs une garantie de retrouver une qualité égale d'une année à l'autre. De par ce fait, fidéliser nos clients et nos consommateurs surtout d'une année à l'autre et sur du long terme. Voilà, on va travailler l'artichaut du Roussillon, le petit violet. On enlève les premières feuilles, comme ça facilement, en cassant la feuille, c'est important de ne pas tirer dessus. On fait tourner l'artichaut avec le couteau qui taille, c'est important, à lame fine. On va juste suivre la forme de l'artichaut, sans trop rentrer dans la chair. L'idée, c'est de garder le bas des feuilles sur le cœur. Et si on le retourne, on voit bien qu'on n'a que du tendon. Et on a respecté la forme de l'artichaut. Et on voit que l'artichaut est jeune, il y a très peu de foin. Il est vendu avec sa feuille, et quand on a un artichaut frais, on voit une belle feuille, et c'est pas flétri. Ça veut dire que le cœur va être croquant et donc ça va être d'autant plus facile à tourner. Moi là j'ai une poitrine de cochon, d'un gros cochon gras très bien élevé, comme les artichauts étaient bien élevés, le cochon était bien élevé aussi. Aussi un oignon tendre du Roussillon, on a du jambon sec de montagne, persil. On va les faire suer simplement. On le voit, c'est un petit peu sué. Là c'est un bouillon de volaille. Si on veut faire un vegan, on peut faire avec un bouillon de légumes. Si on n'a pas envie de s'embêter, on met de l'eau. Ça marche aussi. Et là, on laisse cuire. Alors, un artichaut tendre comme ça, ça va cuire en 2 minutes. Alors ça, c'est la poitrine de cochon, bien élevée aussi, comme je vous ai dit. Ça, c'est un cochon que moi, j'ai cuit très, très longuement. Il a cuit 72 heures à basse température. Et voilà, il n'y a plus qu'à dresser. Je vais terminer l'assiette avec quelques copeaux d'artichauts crus. Là, on a des artichauts à la croque au sel. C'est bête. Ça, on mange ça avec des radis, des petits radis primeurs. On va mettre un copeau aussi dessus, une salade un petit peu. C'est des choses simples, mais c'est du bonheur.
Donc quand je vais apporter mon assiette au client, il va voir de l'artichaut, il va se souvenir en quittant le restaurant qu'il a mangé un plat d'artichaut.